Comment avoir un bon hébergeur web en 2024? Et en plus de ça, celui-là, eh bien, il est français. Eh bien, c'est possible. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis super content de pouvoir te présenter O2Switch. Il s'agit donc d'un hébergeur web français qui devient de plus en plus connu. D'ailleurs, petite information vraiment importante, c'est qu'en fait le nom de domaine est offert, donc autant en profiter. Il est très important de choisir un bon hébergeur web, que ce soit pour la sécurité des données ou bien la compatibilité par exemple avec les CMS ou bien un espace de stockage illimité. Et aussi par exemple, et ça c'est très important, des serveurs qui sont rapides. Et aussi avoir un service client disponible 7 jours sur 7 et surtout le plus important, un service client qui parle notre langue, donc ici le français. Donc ça aussi c'est une bonne chose et forcément ça permettra aussi de résoudre tes problèmes beaucoup plus facilement si c'est dans ta langue. C'est pour cela que je te présente aujourd'hui O2Switch. Il s'agit donc d'une marque française basée à Clermont-Ferrand. D'ailleurs leur première data center en fait se situe là-bas et c'est très important aussi, mais à côté ils sont propriétaires de leur structure. Alors elle est née en 2003, donc elle a désormais plus de 20 ans d'expérience, qui est vraiment énorme. On va retrouver plus de 580 000 sites hébergés et plus de 150 000 visiteurs par mois. Donc en fait, O2Switch est déjà une entreprise aujourd'hui un petit peu affirmée qui, en tout cas, arrive à avoir beaucoup, beaucoup de trafic et qui aussi est là depuis un grand nombre d'années. Donc qui finalement aussi à côté, elle a une expérience utilisateur et ça aussi, c'est une bonne chose. Bon, j'arrête de blablater et c'est parti pour les caractéristiques. O2Switch devient de plus en plus connue et elle est basée en France à Clermont-Ferrand, comme je te l'ai dit. Elle propose aussi une offre d'hébergement web tout compris et illimité. Donc en fait, il n'y a pas besoin de choisir entre différents plans ou alors d'évoluer ou bien de prendre quelque chose pas cher et au final, tu te retrouves avec plein d'options supplémentaires. Ici, c'est vraiment une offre et ça, je trouve que c'est un gros point fort et c'est comme ça qu'ils arrivent aussi à se démarquer. C'est globalement, tu prends cette offre-là et tu as tout en illimité. Donc là-dessus, c'est une bonne chose. L'offre inclut des ressources conséquentes avec des serveurs frontaux optimisés pour les CMS populaires. Alors, on aura bien entendu WordPress, Joomla ou alors Magento. Et concernant la technologie de serveur, on aura l'utilisation de la technologie NVMe et des caches en fait Varnish ou LS Cache pour des performances supérieures. Bien entendu, les serveurs bénéficient d'un réseau premium redondé et sécurisé par anti-DDoS Arbor. Mise à disposition des dernières innovations technologiques pour tout type d'utilisateurs et aussi O2Switch gère intégralement son propre data center en France, assurant forcément une transparence totale des données hébergées. Donc bref, c'est en France et ça aussi, ça fait plaisir. On aura un service de migration de site web offert dans certaines conditions, une assistance technique basée en France disponible bien entendu 7 jours sur 7 via différents canaux, la sécurisation des sites par des certificats comme d'habitude SSL, donc ici sans coût supplémentaire, la possibilité d'héberger plusieurs domaines sur un même compte, donc ça c'est une bonne chose. On aura un engagement envers la responsabilité bien entendu environnementale, offre satisfaite ou remboursée pendant 30 jours sans justification requise. Donc globalement, tu peux aussi tester et à tout moment arrêter durant les 30 premiers jours. Donc ça fait plaisir aussi puisque ça te permettra de prendre du recul et de voir en fait si ça correspond finalement à tes besoins. On se retrouve donc en live sur le site O2Switch. Bien entendu, le lien du site est dans la description de cette vidéo et comme tu peux voir ici, l'offre unique, la puissance d'un hébergement cloud exploité jusqu'à ici 12 CPU, 48 Go de RAM, etc. Donc hébergement web premium. Donc en fait, comme tu peux le voir ici, il y a une offre. Mais en fait, c'est illimité cette offre. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant. On ne se prend pas du tout la tête. Il y a une offre. Et globalement, derrière, tu es tranquille. Il n'y a pas de frais supplémentaires, ce genre de choses qui peut arriver quand on prend quelque chose de pas cher et que derrière, on se retrouve avec des options, etc., etc. Et là, comme tu peux le voir, normalement, c'est 7 euros. Mais ici, on a l'offre unique spéciale Noël avec donc une proposition ici de 4,90 €. Donc ici, tout compris. Donc c'est vrai que c'est très intéressant. Bien entendu, tarif hors taxe mensuel et paiement annuel, domaine aussi inclus. Donc ça, c'est une très bonne chose. On a aussi, bien entendu, le détail technique, tout ce que je t'ai cité, bien entendu, dans les caractéristiques. Donc ici aussi, on fait s'inscrire.
Donc c'est bientôt terminé, validation de l'offre, poursuivre le processus de commande pour valider la création de votre offre d'hébergement web. Donc ici, commandez votre offre de bienvenue chez vous. Donc on a l'offre O2 Switch et nous avons ici le forfait, ce qui représente en fait pour un total sur un an de 58,80€ hors taxe. Donc là, je fais continuer. Donc comme tu peux le voir, c'est vraiment très facile. Donc ici, on va créer un compte, donc ici client, donc ici monsieur, donc particulier, prénom, nom, etc. Donc je remplis ça rapidement et puis après, on passe à l'étape suivante. Donc, maintenant, on arrive, donc choisissez un nom de domaine. Donc j'enregistre ou transfère un nom de domaine maintenant ou je choisis un nom de domaine plus tard. Donc là, en fait, ici, le nom de domaine, bah, ça peut être tout simplement cristolyonnais.com, .fr, etc. Donc c'est très important, mais lorsque tu veux, imaginons ici, créer ton site internet, ta boutique en ligne, etc. Eh bien, il va falloir que ce nom de domaine-là, en fait, il va être assez important pour ce qu'on appelle le SEO, le référencement naturel. Donc il faut qu'il soit forcément cohérent avec ce que tu proposes sur ton site internet ou ta boutique en ligne. Imaginons, si tu crées une boutique en ligne concernant des gants, bon, bah, tu peux appeler mongants.fr. Ou mapairedegants.fr par exemple, ou .com. Donc bien entendu, l'extension, ça c'est à toi de voir, le .com, le .fr, on a le .org, etc. Donc c'est vrai que globalement, la plupart du temps, on va chercher un .com. Mais si tu veux vraiment, imaginons, cibler que le marché français, tu peux faire bien entendu un .fr. Et après, par la suite, si tu le souhaites, tu peux aussi acheter le .com. Donc là-dessus, tu es totalement libre. Donc voilà, et donc ici, on va choisir donc un nom de domaine, puis après, on va cliquer sur continuer. Donc imaginons, là, je m'écris sur Lyonnais, donc comme tu peux le voir, le .com est déjà pris, forcément puisque je l'ai déjà pris de mon côté, mais que on a le .fr qui est disponible, le .net et le .org. Donc là je change, imaginons l'extension puisque je veux le .fr. Donc super, le domaine cristolyonnais.fr semble être disponible et là je fais continuer. Et donc ici, comme tu peux le voir, nous aurons à gauche donc au niveau des différentes solutions de paiement, donc la carte bancaire, PayPal, le chèque, virement. Nous avons ici l'abonnement sur 12 mois, donc c'est 58,80€. C'est vraiment, vraiment pas cher. Donc là, on a profité en fait de la réduction ici de 30% avec Santa 23. Total des remises hors taxe, donc moins 25€. Et ici, taxe TVA 20%, on a 11,76€. Donc globalement, on se retrouve ici en total TTC, donc toute taxe comprise, 70€. Voilà. Donc honnêtement, c'est super intéressant. Surtout bah, que là, tu dis que en fait, tu as ton hébergement et tu vas avoir aussi eh bien, ton nom de domaine qui sera ici offert en fait sur ta première année. Donc ça, c'est une excellente chose puisque bah, en fait, tu vas être tranquille et 70€ sur ta première année, bah, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Et une fois que tout ça, c'est fait, eh bien, on se retrouve donc ici connecté au compte avec, comme tu peux le voir, O2 Switch à gauche, espace technique, espace client, documentation. Ici, nous sommes donc dans l'espace technique. On peut voir ici donc le sous-menu quelque part email avec compte de messagerie, redirecteur, routage des emails, réponse automatique, liste de diffusion, suivre la remise, filtre de messagerie globaux, filtre de messagerie, etc. On aura aussi fichier avec les images, bien entendu, utilisation du disque, compte FTP. On aura les bases de données, donc ici PHP, base de données MySQL. Donc là aussi, domaine. Alors, ce qui est cool aussi, c'est qu'on a domaine configuré, sous-domaine et les redirections. Ça peut être pas mal de rediriger un nom de domaine, etc. Si jamais il faut le faire. On aura aussi, bien entendu, les mesures, les visiteurs, erreurs, accès brut, bande passante. On aura les outils, page speed, donc ça c'est important aussi et c'est aussi l'intérêt d'avoir un bon hébergeur web. Bah, il faut que ton site internet, ta boutique en ligne, ton CV, ton portfolio soit performant et soit rapide, que ce soit depuis un ordinateur, une tablette ou bien un smartphone. Et d'ailleurs, ça reprend un peu, j'ai pensé à c'était mon professeur en électronique qui me disait « Tu as beau avoir les plus belles enceintes au monde, mais si ton audio c'est pas de la bonne qualité, en fait globalement ça sert pas à grand chose. » Donc là aujourd'hui ça sert pas à grand chose si tu as par exemple, imaginons, un super site internet mais que t'as pas un bon hébergeur derrière, parce que bah forcément l'hébergeur c'est hyper important pour pouvoir correctement héberger ton site et pour surtout que tu puisses bien stocker et avoir un site rapide. Donc ça c'est l'hébergeur, c'est extrêmement important. On aura les performances, Lightspeed, LS Cache. La sécurité, donc ça aussi on a pu le voir, bloqueur d'adresse IP, accès SSH, etc. Donc ça aussi c'est très très important avec le SSL bien entendu.
logiciels. Enfin voilà, globalement, vraiment, tu as énormément de choses. On a aussi le SitePad Website Builder Theme avec différents thèmes qui sont déjà en fait ce qu'on appelle des templates, donc déjà construits et que toi derrière, tu as juste à repartir avec des sites déjà existants, ce qui va te permettre par la suite, bien entendu, beaucoup plus facilement eh bien, de créer ton site internet puisque tu pars sur des templates, des blocs déjà existants. On regarde en bas, bien entendu, on a le script, donc ici CMS, WordPress, Joomla. Donc là, on a Abandon Cart, PHP BB, SMF, etc. etc. Et puis, on a catégorie blog, portal, SMS, forum, image galerie, etc. Alors, en tout cas, c'est vraiment très intéressant parce que c'est vraiment ultra complet, surtout aussi avec un prix ultra compétitif. En plus de ça, c'est français. Donc honnêtement, autant en profiter. En tout cas, je suis vraiment très content de pouvoir te présenter OdeSwitch aujourd'hui. Et il s'agit vraiment d'une très bonne solution qui te permettra eh bien, d'héberger ton site internet, ta boutique en ligne, ton CV en ligne, ton portfolio, etc. Et tout ça avec un bon rapport qualité-prix. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, on va pas avoir de surcoût supplémentaire. C'est qu'en fait, OdeSwitch, il propose une seule offre. Tu as une offre et dedans, tu as tout illimité. Il n'y a pas, je vais prendre quelque chose qui finalement est pas très cher, mais après, je vais me prendre des options à droite à gauche. Et dès que finalement, je commence à avoir besoin de plus de ressources, parce que ça, bah, bien entendu, c'est évolutif, un site internet. Tu peux avoir un site vitrine qui petit à petit, bah, forcément, aura besoin d'un peu plus de stockage. Il y a un serveur rapide ou des serveurs rapides. Et bien derrière, en fait, souvent, bah, quand on prend quelque chose de pas cher, et derrière, il y a des options. Et donc ici, en fait, et c'est ce qu'ils proposent, ça, je trouve que c'est une très, très bonne idée, c'est qu'en fait, tu as tout illimité. Donc là, tu ne te casses pas la tête, tu prends l'offre et derrière, tu es tranquille. Et ce qui est pas mal, c'est qu'il y a la garantie, en fait, satisfait ou remboursé durant 30 jours. Et ces 30 jours, ça, c'est cool parce qu'au moins, ça te permettra de prendre du recul, de tester correctement et de voir, en fait, si ça correspond un petit peu à tes attentes. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite vraiment pas à me les poser dans la barre des commentaires. Et aussi de ton côté, si tu utilises OdeSwitch, si tu en es satisfait ou pas, et si jamais aussi si tu utilises un autre hébergeur, bah de me dire dans la barre des commentaires. Bon, merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer.